Le même scénario se répète à une semaine d'intervalle en Russie. Un dépôt d'armes est en feu près de la ville de Izevsk, dans le centre du pays. Jeudi dernier, des explosions en chaîne avaient eu lieu dans un autre dépôt, non loin d'Oufa, plus au sud. Si aucune victime n'avait été à déplorer lors du premier accident, près d'Izevsk, on compte près d'une trentaine de blessés, dont 8 ont dû être hospitalisés. Il faut dire qu'environ 10 000 tonnes d'obus sont stockées dans cette région. Les autorités ont fait évacuer plus de 28 000 riverains du dépôt et affirment qu'aucun village avoisinant n'est menacé. Une centaine de pompiers ont été dépêchés sur place.